Alors, qu'est-ce que SolidWork Eh bien, cela peut sembler une question évidente. C'est un outil de chaos, n'est-ce pas En plus d'être un outil de chaos très convivial, j'aimerais vous en dire un peu plus sur son fonctionnement avant de plonger directement dedans. SolidWork est un système paramétrique basé sur des fonctionnalités qui vous permet de créer des pièces en 3D, des assemblages et des dessins en 2D. Un modélisateur paramétrique se comporte différemment des autres outils de chaos plus primitifs qui sont axés sur les objets. Ce que je veux dire, c'est que dans un modélisateur paramétrique, tout est contrôlé par des paramètres, des dimensions ou des relations. Par exemple, si vous voulez déplacer la position d'un trou dans un bloc, dans un système paramétrique, vous changeriez la dimension ou la relation qui contrôle sa position. Les paramètres et les relations que vous définissez vous permettent de contrôler, en tant que concepteur, quelque chose appelé intention de conception. Le terme intention de conception décrit essentiellement la façon dont votre conception se comportera en fonction de la manière dont vous la concevez. En utilisant des paramètres et des relations, cela vous donne un contrôle total sur le modèle. Dans cet exemple, J'aimerais centrer ce cercle dans le rectangle. Je sais que le rectangle mesure 4 pouces sur 6 pouces. Une façon de centrer le cercle est de le dimensionner à 2 pouces d'un bord et à 3 pouces de l'autre bord. Cela centre le cercle dans ce rectangle. Mais cela capture-t-il mon intention de conception Voyons ce qui se passe lorsque je change la taille du rectangle à 7 pouces sur 8 pouces. Comme vous pouvez le voir, le cercle n'est plus centré, donc non, cela ne capture pas mon intention de conception. Alors, comment puis-je centrer ce trou de manière à ce que, quelle que soit la taille du rectangle, le cercle soit toujours centré Dans un modélisateur paramétrique, il est également possible d'utiliser des relations. Supprimons ces dimensions. Pour créer une relation qui centre le cercle, je vais dessiner une ligne diagonale en utilisant l'outil ligne de centre. Ensuite, j'ajouterai une relation de point-milieu entre la ligne diagonale et le centre du cercle. Maintenant, quelle que soit la taille du rectangle, le cercle sera toujours centré. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'innombrables façons de capturer votre intention de conception lors de la modélisation en 3D. Et nous parlerons beaucoup plus de l'intention de conception et de ses relations géométriques tout au long du cours. Vous pouvez voir à quel point la modélisation dans un environnement paramétrique peut être très puissante. L'autre énorme avantage de ce type de système est que vous obtenez également une associativité entre vos pièces, assemblage et dessin, ce qui signifie que si vous apportez une modification à la conception d'une pièce, la modification prendra effet dans tous les assemblages dont elle fait partie. Et son dessin en 2D se mettra également automatiquement à jour. Vous pouvez également apporter cette même modification de conception à partir du dessin en 2D, et la pièce se mettra à jour, ainsi que l'assemblage. Ce comportement associatif vous fait gagner beaucoup de temps lorsque vous apportez des modifications à la conception, de sorte que vous n'avez à apporter la modification qu'une seule fois et tous les éléments associés se mettront automatiquement à jour de manière appropriée.